Salut amis de YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je continue avec Bassim mon aventure où je m'étais arrêté à l'entrepôt où je dois aller chercher un papier afin que notre ami Kong, le marchand, puisse vendre ses marchandises. Je vous souhaite bon visionnage et à tout à l'heure en fin de vidéo pour conclure celle-ci. Voilà l'entrepôt dont a parlé Kong. Il faut que j'en sache plus sur ce capitaine du port. La Grèce, les Indes, tout ce qui est étranger à Bagdad. Si je tiens à ma tête, je ferai mieux de tout inspecter. L'ordre de fouiller toutes les marchandises étrangères, à la recherche d'un objet. Une épingle à cheveux chinoise ancienne, pour être exact. Le port est le point de départ de tout ceci. Le Da'irat al-Mal. Porcelaine, marchandises rares et exotiques, largement exposées. Perdu la tête ou quoi ? J'ai beaucoup de patience. Ne crains rien. Si ça se met à chauffer par ici, nous serons prêts. Qu'est-ce qui se passe, hein? Si on nous appelle, on ne manquera pas de frapper. Je me fie à ton instinct. Continuons à ouvrir l'œil. Une lettre peu aimable, adressée au capitaine du port. Il a laissé passer une épingle à cheveux, et cela a déplu à quelqu'un.
Il émane une senteur de cette lettre. Et elle porte un symbole familier. Al-Kullulu. On dirait que le capitaine du port appartient à l'ordre. Shalom. Madame est allouée là. J'ai besoin de tes services. Je vais aller demander de l'aide. Qu'est-ce que c'était, ça? Quoi? Mara, ces feuilles de thé d'Orient valent bien plus qu'une nuit de travail. Une liste de marchandises exotiques saisies. La plupart venant de très loin. Il y a les produits de Kong. Des vases et de très coûteuses feuilles de thé. Ce devrait être ce dont Kong a besoin. Le capitaine du port filtre les marchandises étrangères. En particulier les objets anciens venant de l'Orient. Il n'y a plus rien d'autre ici. Le capitaine du port attend. Mieux de repartir.
tiens. Toi, tu... Allez, viens prendre ton petit bain de sang. Toi, reste près de moi. Tu vas souffrir. Même ta mère ne te reconnaît pas. Je vais t'accrocher par petits bouts aux portes de la ville. Là-bas ! Montre-moi ce que tu vois. Sois mes yeux, Enkidu. Pardonne-moi, Enkidu. Je t'ai mis en danger. Un autre mur entre le peuple et le pouvoir. Quoi qu'il en soit, j'espère que le capitaine du port ne m'attend pas. Il n'est pas le bienvenu. File. Des crampes. Rien pour toi ici.
Qu'est-ce que c'était ? Alerte ! On a de la visite ! On a l'œil. Rien ne peut nous surprendre. Ah, il n'y a rien. Réveillez-vous ! On a vu quelque chose. Ne t'inquiète pas. Toujours prêt et je saurai te protéger. Hey, va voir ailleurs. Ce n'est rien, je ne fais que passer. Qu'est-ce qui se passe ? Hey ! Il est temps de filer. Montre-moi le chemin. Il va falloir trouver une autre approche.
J'ai déjà entendu ça. Tu ne peux pas t'échapper. Non, on essaie. Il n'y a plus de danger. Vole à ta guise, Enkidu. J'ai besoin de ta vue. Un malheureux objet et personne pour le trouver. Les chiens stupides. Ma tête tombera peut-être, mais pas avant la leur. Maintenant qu'ils ont perdu cet objet, ils vont devoir l'acheter aux enchères. Ça n'a jamais été ta vocation à toi. Circulez, qu'est-ce qui te prend à toi? Ce n'est pas très utile. Où est la relève?
Même au schelato. Tu connais des bonnes blagues? Celle avec le chameau et... Que vois-tu, mon ami? T'apprendrais ma fin d'épaule. Ça marche à tous les coups. Je ne sais pas combien de fois elle m'a tué. Et elle m'a permis de tuer le chef de la garde de Khorramdin. Ah! Hé! Hey, ce n'est jamais une mauvaise idée de faire ce travail. Qui est devenu ton flair? Criminel, une seconde. J'attends. Hey, toi, attends un instant. Mais qu'est-ce que... Tu n'as plus l'air de respirer. Te voilà, toi. Il n'y a rien pour toi ici. Larissa, tout prêt pour nous. Mais la maison a besoin de travaux. ما بايا شلخا عظيم مجنون عنيف يحدث الآن.
Alors, que vois-tu ? Anta ! Tu m'inquiètes, l'ami. C'est que je peux détester cet endroit. Kong, j'ai de bonnes... Seiya, qui va là? Je suis armé! Ce n'est que moi. Ah, le petit pinson qui revient au nid. Et les mains vides! Regarde, ceci t'aidera à faire sortir tes marchandises du port. Ha! Je n'ai pas douté de toi un instant. Viens. Buvons en souvenir du bon vieux temps. Je vais même faire ton thé préféré. Qu'as-tu trouvé là-bas? Qui est derrière tout ça? Un homme, du nom de Javid. Il travaillait pour quelqu'un qui recherche un objet, un artefact. Une épingle à cheveux, pour être exact. Exotique et importante. Je dois découvrir pourquoi. Il le faut. Tu as changé, petit pinson. Ou devrais-je oublier, petit? La dernière fois que je t'ai vu, tu volais dans les rues. Et à présent... Enfin bref, j'espère que tu sais ce que tu fais. Parfois, il vaut mieux laisser la pointe dans la plaie pour éviter de saigner. Bon, maintenant ce que tu m'as promis. Une invitation aux enchères. Seuls les invités les plus distingués en reçoivent. Ne me demande surtout pas d'où elle vient. Je serai obligé de mentir. Ce rouleau te permettra d'entrer, sans même avoir à te faufiler dans une de mes caisses. C'est ça, ton plan? Certains ont enduré pire pour parvenir à leur fin. Quelqu'un d'important cherche l'épingle à cheveux, mais l'a laissé lui échapper. Il ne lui reste plus qu'une chance, les grandes enchères. À présent, examinez l'autre piste. Va, Enkidu.
Si on allait plutôt faire un petit tour, très très loin. Mais où est mon... Je n'ai quand même pas perdu. À moi, je me fais voler après la chouta. À l'aide. À moi, regarde. Eh, hey, est-ce que ça va? On m'a volé, c'est certain, regarde. Flaire-moi pour trouver les voleurs. C'est bien trop long. Colette ! La sécurité, ça se paie. Tout le monde le sait. On peut aussi prendre tes parfums en paiement. Assalamu alaikum. Ça ne te regarde pas. Va-t'en. Ceci peut te faire gagner du temps. Peut-être que oui. Nous avons travaillé dur. Allons nous reposer. Quoi? Mais on doit encore... On discute. Oh, merci, Saïd. Bon, dis-moi, pour quelles raisons les gardes t'ont-ils agressé? Je n'ai rien fait. Je manquais simplement d'argent. Les affaires sont les affaires, mais je n'ai pas de quoi acquitter leur impôt. Tu as donc du mal à vendre tes marchandises? Non, mais ils ont récemment augmenté la somme qu'ils me réclament. C'est bien là le problème. Pas seulement pour toi, j'imagine, mais aussi pour d'autres. Surtout pour ceux qui, comme nous, viennent d'ailleurs, ou n'ont pas les mêmes croyances. Ma foi, Car n'est pas un endroit facile. Une de mes cargaisons a du retard. Je crains que mes bêtes et mes marchandises aient été saisies par les gardes. Elles auraient dû arriver avec des marchands qui se rendent au Dairat al-Mal. Si tu veux me rendre service, l'ami, tâche de les trouver pour moi. Entendu. Il devrait être sur la route qui mène à la porte sud de Bagdad. Je sais.
Je pourrai les rattraper au point d'eau sur la route du sud. Merci à toi, Saïdi. La route qui se trouve au sud de Bagdad, a-t-elle dit. Voyons si je peux trouver ces marchands égarés. Cette personne me paraît suspecte. Voyons ça de plus près. Ne faites pas attention à moi. Grâce à cet éclat, je lève un peu plus le voile sur les mystères et les secrets de la salle. Cette personne me paraît suspecte. Voyons ça de plus près. Grâce à cet éclat, je lève un peu plus le voile sur les mystères et les secrets de la salle. هذا يا صديقي. أهلاً. علي أن ألقنك درساً. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Je vais continuer ma route avec Bassim pour rejoindre le prochain lieu de mission. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un petit commentaire si vous le souhaitez. Tout cela fait extrêmement plaisir et ça soutient. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut !